This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water. Did I hear you're shopping for a car? Because I've been at it for ages. Ugh, such a time suck, right? Not really. I bought it on Carvana. Super convenient. Oh, then comes all the financing, research. Am I right? Well, you can, but I got pre-qualified for a Carvana auto loan in like 2 minutes. Yeah, but then all the number crunching and terms, right? Nope. I saw real numbers as I shopped, found my dream car, and got it in a couple of days. Wait, like you already have it? Yep. Oh. Go to Carvana.com to finance your car the convenient way. Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Dans cet épisode, nous continuons, ou plutôt nous reprenons là où nous nous en étions arrêtés, dans notre voyage en quête des mondes étranges qui peuplent l'univers. Si vous vous souvenez bien, nous avions vu les différentes catégories de ce bestiaire incroyable, les super-terres rocheuses des mondes océans, des planètes aux orbites elliptiques et aux saisons extrêmes, ou encore des planètes fixes sur leur axe, présentant toujours la même face à leur étoile. Mais quelles autres catégories de planètes et de spectacles inimaginables renferment notre univers? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Vous avez peut-être remarqué dans l'épisode précédent que depuis le début, nous parlons toujours de planètes en orbite autour d'étoiles que je qualifie de naines jaunes, de naines rouges ou de petites étoiles de type solaire. Mais pourquoi ça? Quid des astres plus grands et plus massifs qui existent pourtant bel et bien, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de fois plus massifs et plus lumineux et plus chauds que le Soleil? Imaginez un instant un Soleil bien plus grand que le nôtre, une véritable géante stellaire. Ces étoiles gigantesques, d'une lueur froide bleutée, ont une existence bien différente des naines rouges ou des naines jaunes. Les naines rouges peuvent briller pendant des dizaines de milliards, voire des centaines de milliards d'années, offrant aux planètes qui les entourent des durées de vie incroyablement longues pour que la vie puisse y éclore et évoluer. En revanche, les géantes stellaires vivent à un rythme effréné, consommant leur carburant à une vitesse vertigineuse. En seulement quelques dizaines ou quelques centaines de millions d'années, pas plus, elles achèvent leur existence dans une apothéose explosive, une supernova. Cette explosion est d'une puissance inimaginable, plusieurs fois supérieure à toute l'énergie contenue dans la galaxie qu'elle abrite. Visible même par-delà les galaxies, émettant un cocktail dévastateur de rayons X et de rayons gamma, anéantissant tout signe de vie si jamais elle eut le temps de se développer, et ce sur des distances astronomiques. Tout espoir d'émergence de développement de la vie est anéanti dans son sillage. Et pourtant, au cœur de cet enfer cosmique, nous apercevons pourtant ce qui semble être des planètes. Draugr, Poltergeist et Phobetor, ce sont leurs noms. Elles ont émergé, forgées, dans les feux brûlants de la destruction. Elles ont été sculptées par les tempêtes féroces et les radiations. Leur surface est rocailleuse et érodée par les vents furieux des particules chargées. Tout a commencé par l'explosion cataclysmique d'une supernova. Lorsque cette étoile géante a rencontré son destin funeste, elle s'est effondrée sur elle-même jusqu'à se transformer en étoile à neutrons, libérant une énergie colossale. Les murs stellaires ont cédé sous la pression insoutenable dans un éclat éblouissant de lumière et une onde de choc titanesque a propulsé toute l'enveloppe de l'étoile sur des distances prodigieuses. Mais ces débris, chargés de promesses et de fragments d'existence, se sont trouvés happés par l'attraction du pulsar nouvellement formé, cette étoile à neutrons qui tourne frénétiquement sur elle-même. Et dans une danse stellaire, ces débris, ces poussières, se sont amalgamés en astéroïdes, en planétésimaux, en comètes, rythmés par les forces gravitationnelles jusqu'à former une famille infernale d'exoplanètes en orbite autour d'un astre tout aussi mystérieux, comme revenu d'entre les morts. Draugr, Poltergeist et Phobetor ont été nommés d'après des créatures d'épouvante de diverses mythologies. Ces exoplanètes sont situées dans la constellation de la Vierge, à une distance prodigieuse de 1600 années-lumière.
l'histoire de la découverte de ces exoplanètes est tout aussi incroyable. Elle remonte au début des années 90. Alors que le radiotélescope géant d'Arecibo est en réparation, l'astrophysicien polonais Alex Wolfskan a réussi à convaincre son comité de lui permettre d'utiliser l'engin pour une recherche de pulsars dans la galaxie. Mais un en particulier lui semble très bizarre. Les pulsations du pulsar semblaient varier avec une précision de métronome, ce qui a conduit Wolfskan à penser qu'il y avait peut-être une planète autour de l'étoile à neutrons. Et après quelques mois d'observation, Wolfskan a confirmé la présence de deux planètes en orbite. Plus tard, en 1994, il découvre la troisième, toujours dans ce système planétaire. Nous sommes donc en 92 et 94, une découverte qui a donc précédé celle de 51 Pégase B en 95, qui est donc la première exoplanète officiellement découverte et que l'histoire retiendra malheureusement pour lui. Pourquoi ça ? Eh bien, cette découverte à l'époque n'a pas du tout suscité le même enthousiasme que 51 Pégase B, car le système était si éloigné et si étrange, si inhabituel, que ça paraissait tout simplement inconcevable. Mais cette découverte a donc ouvert, encore une fois, de nouvelles perspectives quant à la recherche d'exoplanètes pour élargir un peu plus notre compréhension de la diversité de tous les systèmes planétaires. Mais alors que nous passons à proximité du pulsar, nous apercevons Poltergeist, l'une des exoplanètes nées autour de celui-ci. Et quel spectacle ! Vous vous retrouveriez dans un paysage étonnant, enveloppé d'une atmosphère épaisse et protégé par un champ magnétique puissant. Cette planète, plus massive que la Terre, résiste au rayonnement et au vent des particules émanant du pulsar tourbillonnant à proximité. À la surface de ce monde étrange, votre regard se tourne vers le ciel. Et bien que le pulsar de ce système atteigne une température extrême d'un million de degrés, sur Poltergeist, l'épaisse ionosphère de la planète absorbe tous les rayons X issus du pulsar et génère une multitude de rayons secondaires dans le domaine du visible, rendant le ciel étonnamment lumineux. La haute atmosphère de la planète scintille. Pour faire simple, elle agit comme une lampe à néon, éclairant tout sur son passage. Au sol, il n'y a donc aucune ombre, car les objets sont illuminés de manière homogène de tous les côtés. Sa luminosité est si puissante qu'apercevoir les étoiles ou même les astres voisins est impensable. Et lorsque la nuit tombe, un spectacle magique se produit. Les particules solaires issues du pulsar traversent la ionosphère nocturne de Poltergeist. La planète est alors enveloppée d'aurores boréales bien plus lumineuses que celles sur Terre, créant une cascade de rayons X se transformant en éclairs. Le scintillement du ciel nocturne est un émerveillement pour les yeux, peignant des tableaux célestes d'une beauté captivante. Alors, la question se pose, peut-être que ce bombardement de rayons X est suffisant pour réchauffer l'atmosphère de Poltergeist et rendre sa surface habitable? Mais malheureusement, la réponse est négative. Pour cela, il faudrait que la planète soit située à 0,04 unités astronomiques de l'étoile à neutrons, tandis que sa distance actuelle est de 0,36 unités astronomiques. Mais, vous en conviendrez, compte tenu de l'infinité de mondes possibles, il existe peut-être une planète qui remplisse ces conditions. Mais maintenant, quittons Poltergeist et posons-nous à la surface de Draugr, l'autre exoplanète qui orbite autour du pulsar, à une distance de 0,19 unités astronomiques. Draugr ne possède pas d'atmosphère. Vous avez donc une vue directe sur le pulsar et son environnement. Bien que l'étoile à neutrons elle-même soit beaucoup trop petite pour être distinguée, vous pouvez percevoir comme un point violet brillant, une fraction de son rayonnement global dans le spectre visible. Mais le plus impressionnant reste sans doute les deux jets de particules de matière accélérée émanant de chacun des pôles du pulsar, tel un phare céleste. L'interaction de la roche de Draugr avec les rayons X et les particules rapides émises par le pulsar pourrait donner un caractère encore plus exotique à ce paysage. En effet, comme sur Terre, certains minéraux de la surface, bombardés de rayons, pourraient briller d'une lueur radioluminescente. Le vent du pulsar est si fort qu'il arrache les particules au sol de la planète et les fait scintiller dans le ciel. C'est un phénomène que l'on a déjà observé sur Mercure par exemple.
Alors, bien que ces planètes soient des rescapés, des compagnons d'infortune d'un astre bien étrange, et malgré la beauté de leur paysage, il n'y a que la mort, tant les conditions sont hostiles au développement de la vie. Mais je me devais de faire une pause sur ce paysage incroyable avant de reprendre notre voyage en quête de monde plus favorable. Lors des épisodes précédents, nous avions vu que les limites que nous fixions pour le cadre favorable au développement de la vie étaient sans cesse repoussées par les nouvelles découvertes. Aussi, des mondes que l'on pensait avant trop singuliers, trop inhabituels, pourraient en réalité représenter des caractéristiques favorables à l'apparition de la vie. Et c'est le cas des exolunes, des astres évoluant eux-mêmes autour de géantes gazeuses. Seules, elles seraient destinées à une mort thermique, mais leur proximité avec leur géante gazeuse permet l'émergence de nouveaux phénomènes. Pour comprendre, passons donc à l'observation. Nous sommes dans le système J1407, une toute jeune étoile à 434 années-lumière de nous, dans la constellation du Centaure. Elle est presque de la même masse que le Soleil et en tout début de sa vie. Dans ce jeune système, une tout aussi jeune planète de quelques dizaines de millions d'années a été découverte. Une très grosse planète. Sa masse la plus probable se situe entre 13 et 26 fois la masse de Jupiter. Elle est si grosse qu'il est probable qu'elle soit en réalité une naine brune, une autre catégorie de naine. Quelle est-elle celle-ci? Eh bien, elle se trouve à la limite de devenir une petite étoile en elle-même. Une sorte d'étoile ratée qui n'a pas atteint les conditions nécessaires pour enclencher le processus de fusion nucléaire. Son atmosphère est donc principalement composée comme une étoile d'hydrogène et d'hélium, avec un petit noyau métallique massif dans ses profondeurs. Et bien que n'étant pas une étoile à part entière, elle émet néanmoins de la lumière et de la chaleur qui sont seulement les résidus issus de sa formation et de la désintégration des éléments radioactifs. Le spectacle n'en reste pas moins splendide à contempler depuis les confins de l'espace. Des entrailles de cet astre gargantuesque se dégage une lueur rouge-rosée, mystérieuse et hypnotique, reliquat issu de la chaleur et de l'énergie issue de sa formation. Ajoutant une touche de mystère, des nuages froids et épais dans la haute atmosphère bloquent la lumière en provenance du cœur de la géante et lui donnent des allures tigrées. Mais ce qui rend J1407B si extraordinaire, c'est qu'autour de cette petite naine brune se trouvent des anneaux impressionnants. La méthode des transits utilisée par les chercheurs a révélé au moins 37 anneaux distincts autour de celle-ci, les plus grands ayant un rayon de 0,6 unités astronomiques, ce qui est aussi grand que la taille de l'orbite de Vénus autour du Soleil. En comparaison, les anneaux de Saturne ont un rayon d'environ 640 fois plus petit. La masse totale du système d'anneaux de J1407B dépasse la masse de la Terre, ce qui en fait un système d'anneaux d'une ampleur exceptionnelle. Mais en explorant un peu plus en profondeur ce système d'anneaux, prise au piège entre les disques infinis, se trouve là une planète. Les scientifiques ont effectivement découvert une rupture dans le disque d'environ 0,4 unités astronomiques, ce qui est considéré comme une preuve directe de l'existence d'un exosatellite dans cette région. La masse de cet exosatellite est considérée comme étant d'environ 80% celle de la Terre. Mais le plus extraordinaire, c'est que des simulations des chercheurs ont montré que l'addition de la chaleur de l'étoile mère de type solaire, ajoutée à la chaleur résiduelle de la naine brune autour de laquelle le petit corps tourne, ajoutée à la chaleur générée par la déformation des roches due aux forces de marée, serait suffisante pour permettre de maintenir l'eau liquide à la surface de ce petit monde cloîtré entre les anneaux. Mais alors à quoi ressemblerait un tel monde? Imaginez-vous sur cette lune fascinante. Ce n'est pas un lieu de repos paisible pour autant. Les forces de marée engendrées par la proximité avec J1407B provoquent des éruptions fréquentes à sa surface, et des vagues géantes de son hypothétique océan balayent la Terre, créant des paysages dynamiques uniques. Les zones de marée s'étendent sur des centaines de kilomètres, créant une mosaïque de climat et d'environnement semblable à un croisement entre la Terre et les fonds marins. Cependant, le ciel vous offre également un spectacle tout aussi fascinant. La naine brune J1407B occupe 70 fois plus d'espace que la pleine lune n'occupe dans le ciel terrestre, baignant la surface de l'exolune d'une douce lueur magenta.
L'atmosphère, chargée d'une brume orangée, est empreinte d'une ambiance mystique. En effet, sur l'exolune, nous pouvons imaginer la présence de ce que l'on appelle une brume orange d'hydrocarbures qui enveloppe l'atmosphère. Cette brume, c'est le résultat de la présence d'organismes méthanogènes, similaires à ceux que les scientifiques pensent qu'ils pourraient avoir émergé sur Terre pendant la période de l'Archéen. Ces organismes sont capables de produire du méthane dans des environnements dépourvus d'oxygène. Dans le cas de J1407b, ils prospèrent dans les océans ou dans les lacs peu profonds, à la surface de l'exolune. Ces organismes consomment des matières organiques et libèrent du méthane dans l'atmosphère. Ce méthane, dans de grandes quantités, réagit ensuite dans l'atmosphère avec le rayonnement solaire, entraînant la formation de brumes d'hydrocarbures. C'est un processus similaire à celui qui est observé sur Titan, la lune de Saturne. Vous l'avez compris donc, ici, là encore, la vie a trouvé un chemin. Et elle n'en est qu'à ses débuts. Le système, je vous le rappelle, est tout jeune. Se balader sur cette lune énigmatique relève d'une expérience presque spirituelle. Enveloppé d'une brume orange, un océan tumultueux à proximité et un ciel saturé d'anneaux qui s'étend à perte de vue, éclairé sous la lumière de la jeune étoile J1407. Et on ne peut qu'imaginer tous les changements auxquels sera encore confronté ce petit monde où la vie, pour s'épanouir, devra relever bien des défis. Mais nous arrivons presque au terme de notre voyage. Il est temps de commencer le retour sur notre Terre. Faisons peut-être un dernier arrêt, tout proche de chez nous, sur une étoile voisine à seulement 4 années-lumière de là, le système Alpha du Centaure. Ce système est composé de 3 étoiles et est notre voisine la plus proche. Alpha Centauri A, Alpha Centauri A et B sont 2 étoiles de taille et de luminosité similaires à celle du Soleil et orbitent l'une autour de l'autre, formant un duo cosmique qui existe depuis plus d'un milliard d'années. À une distance plus éloignée, une petite naine rouge, telle une spectatrice solitaire, gravite autour de ce système double pour en former donc un système triple. L'origine de cette petite naine rouge demeure incertaine. Qu'elle soit issue d'une formation simultanée avec les 2 autres étoiles, ou alors le fruit d'une capture gravitationnelle par le duo d'étoiles, ce détail apportant une grande importance en termes de planétologie. Car si la naine rouge était présente lors de la formation du système, son influence gravitationnelle aurait pu d'autant plus favoriser la migration de comètes et de corps de glace vers les 2 étoiles principales, rendant ainsi possible l'apparition d'eau sur des planètes potentielles de ce système. Vous le savez peut-être, l'attention s'est fortement portée ces dernières années sur cette dernière étoile, la petite naine rouge, Proxima Centauri. C'est parce que les scientifiques y ont découvert une exoplanète, notamment située dans la zone habitable. Cependant, de plus en plus de chercheurs tendent à considérer que les rayonnements intenses émis par la naine rouge et la proximité de la planète soulèvent des doutes quant à l'émergence de la vie sur celle-ci. C'est donc vers Alpha Centauri A, l'une des étoiles du duo de type solaire, que nous dirigeons notre exploration. Depuis tout récemment, février 2021, les chercheurs ont découvert une exoplanète autour de celle-ci, simplement baptisée Candida 1. Cette découverte devrait être confirmée dans les prochains mois, grâce notamment au télescope James Webb. Si tel est le cas, alors il s'agira de l'une des premières exoplanètes détectées par imagerie directe. Elle a l'avantage de présenter bien des similitudes avec la Terre. Son étoile haute, tout d'abord, est semblable à notre Soleil. Son orbite est située à 1,1 unité astronomique, quasiment la même distance de notre Terre à notre Soleil, et à une période orbitale également tout aussi similaire d'environ 1 an. Malheureusement, ce n'est pas une Terre 2.0 parce que ce n'est pas un corps rocheux. C'est une géante gazeuse plutôt qu'une planète rocheuse. Sa masse est comprise entre celle de Neptune et la moitié de celle de Saturne, avec environ 3,3 à 7 fois la masse de la Terre. Mais ce qui est intéressant, c'est que la zone habitable d'Alpha Centauri A s'étend de 1,1 à 2,1 unités astronomiques. Notre géante gazeuse se situe donc à la limite de cette zone propice à la vie. Bon alors, quel est l'intérêt puisque c'est une géante gazeuse? Comme on l'a vu juste avant, qui dit géante gazeuse dit Lune. Et il est fort probable que cette planète ne fasse pas exception et possède donc des petits astres rocheux tournant autour de celle-ci et évoluant donc dans la zone habitable du système.
Si cela vous rappelle étrangement le film Avatar, c'est parce que c'est bel et bien le cas. Si vous vous souvenez bien, les scénaristes ont imaginé la planète des Na'vi se situant en orbite autour d'une géante gazeuse, elle-même en orbite autour d'Alpha du Centaure. Mais il serait un peu trop facile d'imaginer une lune comme la planète Pandora. Toujours selon les scientifiques, la masse minimale pour qu'un corps puisse maintenir des conditions propices à la vie et une atmosphère est de 2,5% de celle de la masse de la Terre seulement. Imaginons donc qu'un tel objet miniature soit en orbite autour de Candida 1, positionné à une distance idéale pour garantir des températures modérées. Et poursuivons notre imagination jusqu'au bout, supposons qu'il y ait même une vie présente. Ce qui nous frappe à notre arrivée n'est pas la présence d'une végétation, mais bien sa couleur, d'un mauve puissant. En effet, en 2007, deux chercheurs américains ont avancé l'idée que des pigments utilisés lors de la photosynthèse ne seront peut-être pas toujours des pigments chlorophylliens, qui donnent la couleur verte aux plantes. La chlorophylle est une molécule extrêmement complexe, et il est possible que dans les premiers stades de l'évolution, des pigments pourpres, appelés rétiniens, beaucoup plus simples, et jouer le premier rôle essentiel de convertir l'énergie lumineuse en énergie chimique. On retrouve d'ailleurs ces pigments toujours aujourd'hui dans certaines espèces d'algues aux couleurs prunes. Ainsi, dans ce scénario, la végétation est d'un mauve puissant et profond. Et lorsque notre périple à travers l'exolune commence, notre regard se lève vers le ciel de l'exolune, prêt à être émerveillé par un spectacle à couper le souffle. Tout d'abord, deux soleils, Proxima A et B, qui illumine le système solaire, créant une scène céleste d'une beauté sans égale. En plein jour, nous sommes témoins de l'éblouissante proximité de ces deux astres, tandis que des tourbillons majestueux de gaz se déploient autour de la géante gazeuse. Mais cette planète ne déroge pas à la règle, elle est fixée sur son axe, et elle présente la même face à la géante gazeuse. Comme la Lune présente la même face à la Terre, et comme toutes les lunes autour de toutes les géantes gazeuses de notre système solaire. Cependant, ici, cette différence est purement esthétique, car donc un seul des hémisphères offre une vue privilégiée sur la majestueuse géante gazeuse, ajoutant donc à la splendeur naturelle. Du côté exposé donc à la géante gazeuse où nous nous trouvons, la nuit ne connaît pas véritablement d'obscurité. La lumière est douce et uniforme, émanant de la face éclairée de la géante, créant une atmosphère presque dépourvue d'ombre. Sur la géante de gaz, des fascinantes aurores boréales serpentent la surface, offrant un spectacle à couper le souffle. Mais le côté non exposé à la géante n'est pas en reste. L'atmosphère y est si ténue, et en l'absence de pollution lumineuse, le ciel se dévoile dans toute sa clarté, donnant l'impression d'être plongé dans l'espace lui-même. Un ciel immaculé, parsemé de milliers d'étoiles et de galaxies scintillant, révélant la Voie lactée d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer sur Terre. Dans cet environnement extraordinaire, il est impossible de ne pas s'interroger sur l'éventualité de l'émergence d'êtres complexes et intelligents. On pourrait même envisager l'existence de différentes formes de religion ou de spiritualité entre les deux hémisphères, ceux qui vivent en harmonie avec la géante gazeuse et ceux qui évoluent sans sa présence. Si ces êtres possèdent une nature aussi belligérante que la nôtre, cette disparité pourrait potentiellement engendrer des conflits et des guerres entre factions distinctes. Mais revenons à notre exploration. Alors que nous explorons les profondeurs de cette exolune mystérieuse, nous réalisons rapidement que notre démarche terrestre ne convient absolument pas à un niveau si faible de gravité. Ici, le bond est la méthode la plus efficace pour se déplacer. D'une simple pression sur nos jambes, nous nous élevons à quelques instants à plusieurs mètres de haut, libres de toute sensation de poids. De bond en bond successif, nous traversons une forêt aux teintes magenta, dont l'immensité vous laisse bouche bée. Des arbres géants s'élèvent vers le ciel, leurs cimes échappant même à notre vue. Grâce à la faible gravité, les troncs peuvent croître sans se rompre, en atteignant des hauteurs vertigineuses de plusieurs centaines de mètres. Alors que nous nous aventurons entre les rangées de troncs, une angoisse s'empare de nous lorsqu'une apparition fantomatique se profile à l'horizon. Mais ce n'est pas un fantôme. Ce sont des créatures étranges, invertébrées, qui flottent dans les airs. Elles prennent toutes sortes de formes. Certaines ressemblent à des méduses,
dérivant au gré des spasmes, tandis que d'autres se déplacent en ondulant des flagelles. Si elles peuvent flotter avec une telle aisance dans l'atmosphère, c'est là encore grâce à la faible gravité. Quittons la forêt, nous tombons sur une créature encore plus étrange. Une masse informe, d'une taille gigantesque, semblable à une pieuvre, mais de plusieurs dizaines de mètres, le corps gélatineux de cet être est soutenu en hauteur dans les airs grâce à une poche de gaz produite par des bactéries anaérobiques, à la manière d'un ballon dirigeable. Elle est maintenue au sol par ses tentacules qui s'accrochent fermement et se nourrissant en absorbant nos petites méduses aériennes que nous avons vues tout à l'heure lorsqu'elles ont le malheur de rencontrer une tentacule. Les organismes vivant ici, dépourvus du besoin de ramener le sang depuis les organes externes comme sur Terre, ont adopté des formes extrêmement diverses. Certaines se sont spécialisées pour vivre exclusivement dans la cime des arbres qui s'élèvent à des centaines de mètres au-dessus de nous. Si nous avions le temps de pouvoir rester suffisamment longtemps, des dizaines d'années sur cette exolune, vous remarqueriez progressivement un changement dans la lumière et vous vous étonneriez de constater la présence d'une deuxième ombre. Ce phénomène cyclique se produit lentement et inexorablement. Rappelez-vous, les étoiles Proxima A et B tournent l'une autour de l'autre avec des orbites très elliptiques. À son point le plus éloigné, Proxima Centauri B se situe à une distance comparable à celle de Pluton dans le ciel de l'exolune. Cependant, au bout de 80 ans, lorsque Proxima Centauri B atteint sa périhélie, les deux astres se rapprochent à seulement 11 unités astronomiques, soit la distance de la Terre à Saturne. Bien que cela puisse sembler impressionnant et que l'apparition d'une deuxième étoile dans le ciel soit un spectacle fascinant, il est peu probable que cela ait un impact sur la température ou le climat de notre exolune. Alors que nous sommes en pleine saison des moussons, un signal résonne parmi les tribus intelligentes qui peuplent cette exolune. En effet, dans la culture de ce peuple, tous les 80 ans, un esprit maléfique refait surface pour tenter de se venger de l'astre solaire, dans l'espoir de déclencher la fin des temps dans un gigantesque brasier. À chaque fois, l'astre solaire bienfaiteur triomphe et l'esprit maléfique vaincu finit par disparaître, laissant les habitants en paix pour les prochaines 80 années. La célébration se termine dans la joie, renforçant la foi et la confiance des participants envers l'astre solaire, préservant la lumière et l'harmonie de leur monde. Nous voilà déjà presque au terme de notre voyage. Je dis presque parce qu'il manque une dernière catégorie, et non des moindres. Peut-être en réalité, le type d'exoplanète le plus commun dans l'univers, et d'ailleurs, nous en disposons quelques exemplaires au sein de notre propre système solaire. Imaginez. Vous vous retrouvez dans un long tunnel sombre, entouré de glace solide. La seule lumière semble provenir d'un évent volcanique lointain qui crache de la matière en fusion et d'où vous voyez jaillir des entrailles, des fumerolles à plusieurs centaines de degrés saturées de composés organiques. Vous remarquez qu'autour de l'évent se trouvent des champs de vertubicoles luminescents. Peut-être sont-ils la base nourricière d'un écosystème plus complexe. Vous l'aurez compris, nous allons donc nous intéresser à une série de mondes glacés, abritant en leur sein des océans liquides avec des structures relativement simples, ce qui les rend donc d'autant plus faciles à étudier. Imaginez ces mondes comme quelque chose ressemblant à un gâteau en couches. Au centre se trouve un noyau sphérique composé d'éléments lourds tels que du fer et de nickel comme sur Terre. Et puis autour de ce noyau vient des matériaux plus légers comme la roche qui compose le manteau et encore par-dessus ce manteau se trouve une couche d'eau. Et enfin, encore au-dessus, une épaisse couche de glace isolant la planète et l'océan qu'elle renferme du vide spatial. Nous avons l'énorme avantage de connaître et de pouvoir étudier de près ces mondes. Les lunes de Jupiter et de Saturne, Europe, Encelade, Ganymède et bien d'autres, toutes abriteraient des océans liquides sous leur surface. Nous avons également découvert plusieurs exemples d'exoplanètes qui pourraient ressembler à de tels mondes. La plus frappante parmi eux est également l'exoplanète la plus lointaine connue. Elle a le nom simple d'OGLE 2005 BLG 390 LB, nommée plus simplement HOT. Car cette planète, située à 21 500 années-lumière de la Terre, arbore une température de surface de moins 218 degrés. Nous savons maintenant que l'eau est courante dans la galaxie.
tous ces mondes qui se trouvent trop loin de leur étoile centrale, qui se sont refroidis à un état où leur couche supérieure d'eau est sous forme de glace, ces exoplanètes offrent le potentiel de découvertes incroyables. Au sein de leur océan liquide, des réactions chimiques pourraient avoir lieu, favorisant l'émergence de la vie. Leur environnement unique, protégé par des couches de glace, pourrait abriter des formes de vie exotiques, résilientes et adaptées à des conditions extrêmes. Il y a deux types d'énergie importants qui remonteront à la surface à partir de ces événements. Tout d'abord, la chaleur. Le deuxième type d'énergie sera de nature chimique, la matière première d'une écologie profonde, riche et diversifiée. Au lieu d'utiliser la lumière du soleil comme source d'énergie, les bactéries utiliseraient un processus connu sous le nom de chimiosynthèse. De nombreux scientifiques pensent que la vie sur Terre est d'ailleurs née initialement autour de ce type d'évents, et rien ne nous empêche de croire que la même chose puisse se produire sur de tels mondes. Mais quitte à imaginer la vie, autant aller jusqu'au bout de la démarche et se demander si une vie intelligente, consciente, pourrait voir le jour. Imaginons qu'un type de vie pourrait avoir évolué sur cette exoplanète. Elle ne ressemblerait pas forcément à des humains. Les pieuvres sur Terre, qui ont indépendamment du cerveau humain, ont pu développer des émotions et une conscience de leur propre existence. Si une telle forme de vie étrange existe là-bas, nous pouvons nous interroger sur leur technologie. Mis à part la lueur de la lave s'échappant des évents, il régnerait une obscurité totale. Nos organismes hypothétiques percevraient donc probablement le monde qui les entoure dans l'infrarouge, percevant les écarts de chaleur et de température, et disposeraient probablement de sens tactiles très développés pour détecter les mouvements de l'eau et repérer leur proie. Ces formes de vie intelligentes seraient donc prisonnières d'un dôme de glace au-dessus d'elles. Ces dômes signifieraient les limites de leur univers. La vie de cet hypothétique monde serait donc dominée par le gradient de température entre la chaleur de l'évent et le plafond de glace, ce qui suggère que les lois de la thermodynamique seraient probablement une des premières sciences développées par cette espèce intelligente. Les premiers moteurs conçus par ces créatures utiliseraient probablement cet écart entre le froid proche de la surface et le chaud près des évents pour produire de l'énergie, tout comme les humains utilisent les pompes à chaleur. Le transfert de chaleur jouerait également un rôle crucial dans la technologie de cette pré-civilisation. Étant donné que nos organismes hypothétiques n'auraient pas de feu, la chaleur provenant de la région de l'évent serait essentielle pour répondre à leurs besoins, comme le chauffage de leur abri ou de leur cité, et à leur expansion. Il est fort à parier que l'invention du tuyau est à eux ce qu'est à nous l'invention de la roue dans l'histoire de notre civilisation, leur permettant de distribuer, de détourner et de répartir la chaleur et les nutriments provenant de l'évent. Évidemment, le ciel nocturne ne serait pas accessible aux premières espèces intelligentes de ce monde, pris au piège sous la glace. Et nous pouvons demander ce qu'elles verraient. Ils observeraient un plafond de glace, bien sûr, mais si leurs yeux étaient suffisamment sensibles aux petites variations thermiques, ils pourraient percevoir des preuves de l'existence d'un univers au-delà de ce plafond de glace. Si leur planète connaît par exemple des variations saisonnières de température similaires à celles de la Terre, alors le changement de position du Soleil dans le ciel provoquerait des vagues de chaleur se propageant différemment à travers la glace. Il est possible donc que ces êtres intelligents puissent détecter ces vagues de chaleur, ces changements de saison, et pourraient même essayer de comprendre les schémas, les mouvements de la source de chaleur à travers leur ciel de glace. Ce n'est pas pour rien que nous abordons donc ce type de planète pour conclure. Les exoplanètes dotées d'un océan liquide possèdent une remarquable capacité de résilience, ne dépendant que d'elles-mêmes et des ressources à leur disposition. Cette caractéristique leur permet de donner la vie dans une grande variété de conditions, remettant totalement en question nos préconceptions sur ce qu'est la zone habitable. Même une planète très éloignée de son étoile, qui pourrait sembler inhospitalière à première vue, si elle possède un noyau suffisamment massif pour faire fondre la glace en son cœur, alors la vie devient possible. Prenons par exemple les planètes errantes, qui pourraient être aussi nombreuses que le nombre de planètes en orbite autour d'étoiles. Bien qu'elles soient extrêmement difficiles à détecter, combien pourrait abriter la vie ? Un oasis préservé errant à travers la galaxie. Mais même les astres de petite taille ont leur place au sein de cette catégorie. Bien que leurs noyaux se refroidissent rapidement, s'ils ont la chance d'orbiter autour de géantes gazeuses en tant que lune, alors les puissantes forces de marée les étireraient, les compresseraient, générant suffisamment de chaleur par friction
pour maintenir une activité géothermique. Une grande partie des satellites de Jupiter, de Saturne, grâce à ces phénomènes de marée, possède un océan souterrain. Plus récemment encore, après le passage de la sonde New Horizons, les scientifiques ont découvert avec stupeur la présence d'un océan liquide sur Pluton. Un astre minuscule, très éloigné de son étoile, ne tournant autour d'aucun astre massif qui pourrait potentiellement la réchauffer. Alors comment est-ce possible? C'est la question à laquelle tentent de répondre les scientifiques. En attendant, ça nous montre que ce type de configuration se retrouverait à travers la galaxie, et ce même dans les cas les plus extrêmes. Ces mondes océaniques souterrains, enfermés sous une croûte de glace, représentent peut-être la forme de vie la plus répandue dans l'univers, bénéficiant d'une protection contre les rayons cosmiques, les catastrophes, les changements brutaux, évoluant dans des systèmes stables sur des milliards d'années, et où l'eau est abondante, un cocon protégé pour l'émergence et la préservation de la vie. La forme de vie la plus évidente et courante qui pourrait se trouver en dehors de portée de nos télescopes. Nous voilà rentrés à la maison, bien au chaud, sur notre bonne vieille Terre. Mais d'ailleurs, quelle est-elle cette Terre? Quelle est sa catégorie? Eh bien, elle fait partie d'une autre catégorie bien spéciale au nom évocateur, les mondes boucles d'or. Pourquoi un tel nom? Eh bien, comme dans le conte de boucles d'or, si vous vous souvenez bien, quand elle essaye la soupe, elle n'est ni trop chaude, ni trop froide. Pour obtenir cette dénomination, une planète doit détenir à la fois des étendues de terre sèche, mais aussi des océans persistant sur des milliards d'années de façon stable. Sachez cependant, pour terminer, que les dénominations que nous avons vues ne sont pas fixes. Elles sont fluides. La possibilité de formes et de caractéristiques que peuvent revêtir les planètes sont innombrables. Si une épaisse couche d'eau se trouve gelée à la surface, un monde de glace se dessine devant nous. Mais si la planète vient à migrer plus près de son étoile, venant à faire fondre sa surface, elle deviendrait alors un monde océan. La Terre elle-même n'a pas toujours été un monde boucle d'or, se transformant à plusieurs reprises en un monde de glace aux océans souterrains lors de périodes glaciaires au cours de son histoire. Ces catégories peuvent également s'ajouter, se combiner. Une planète de glace peut tout aussi bien être une planète errante qu'une exolune. De même, une super-Terre peut être un monde océan et à la fois une planète fixée sur son axe, présentant toujours la même face à son étoile. Ces variations de transition entre les différentes catégories nous montrent encore une fois la diversité des mondes, et donc de la vie, qui pourrait, peut-être, peupler l'univers. J'espère, on espère avec Willy que cet épisode vous a plu, ce long épisode en 3 parties, et que vous avez pu vous sentir immergé à travers la narration, les bruitages, dans ces mondes lointains. Avant de terminer cette émission, je voudrais remercier Rémi qui nous dit « Le métro de Schrödinger, grâce à vous, je suis à la fois dans le métro pour vous écouter et pas dans le métro en vous écoutant. » Un commentaire qui a eu le mérite de faire rire Willy. Encore une fois, merci à tous pour votre retour et votre soutien. Continuez à nous laisser une review, un commentaire sur Spotify, Apple Podcasts et puis à vous abonner sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un nouvel épisode de Poussière d'étoiles. This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water.